legal document. Certainement que ça sera pas du débat qui sera plus tard. I'm sure there et will je be passe tout de suite la parole. Discussion later on that topic. Okay. Now I would give the floor to the colleague who is going to switch, sit on my right. And so I'm going to give the floor to Mr. Ayoun. Dernier orateur sera Dr. Victor. Enzo. C'est Dr. Victor Khayoul qui a terminé sa thèse de doctorat ici à Paris 8 sur l'histoire de la communauté juive de Nabed, vue par les généalogies. Il est aujourd'hui le directeur du Centre de recherche de l'Organisation mondiale des Juifs de Tunisie en Israël. Il travaille beaucoup sur les généalogies et il va nous parler sur la problématique de l'identification des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale en Tunisie. C'est un travail qu'il fait, je crois, déjà fait 3 ans. Depuis 2006. Il a travaillé depuis 2006. La parole est yours. Merci. Bonjour. Je tiens à remercier ceux qui ont eu l'initiative et ont organisé ce colloque, et parmi eux mon ami et maître, Dr. Chaim Sadoun. Toutes les institutions qui se sont données pour but de sauvegarder la mémoire de la Shoah essayent de reconstituer la liste de toutes les victimes de la Shoah et traitent ce sujet comme principalement à Yad Vashem dans le cadre du projet Chaque homme a un nom, l'Echol Ish Yesh Shem. Ainsi, dans ce contexte, mon intervention va traiter des victimes juives d'origine tunisienne de la Deuxième Guerre mondiale et est intitulée La problématique de l'identification des victimes juives d'origine tunisienne de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Torche a eu une répercussion directe sur la Tunisie, sur son occupation par les Allemands et sur la souffrance de sa population juive qui s'en suivit. La Seconde Guerre mondiale a fait d'innombrables victimes de par le monde. Les premières victimes de la présence allemande en Tunisie étaient celles que j'ai découvertes lors de mes recherches sur la communauté juive de Nabeul en Tunisie. Et c'est ainsi qu'au fil des recherches, j'ai accumulé des informations sur ce qu'ont vécu les juifs de Tunisie en général pendant cette guerre. C'est alors que j'ai constaté qu'il n'y a aucun mémorial qui regroupe les juifs de Tunisie d'origine tunisienne de la Deuxième Guerre mondiale, pas un mémorial, pas un monument, pas un lieu de recueillement, pas un livre. Il y a bien sûr des livres de Paul Guéze, de Robert Borgel, de Gaston Guéze et d'autres. Il y a le monument au cimetière du Borgel à Tunis et ailleurs, à Sousse et ailleurs, mais aucun ne regroupe la totalité des noms des victimes de la communauté juive tunisienne pendant cette guerre. Vous avez là une vue de la stèle au cimetière du Borgel. Et là, c'est une photo de la sculpture murale de Sarel, Elie Sarfati, à la mémoire de son frère Jacob Sarfati, à Amit Anatania, au centre dont je vais vous parler. En 2006, suite à la création d'une sculpture murale à la mémoire des victimes juives d'origine tunisienne dans le centre communautaire de Amit, Association mondiale des Israélites de Tunisie, Anatania en Israël, j'ai été sollicité par le président de Amit à préparer une liste de noms des victimes en hébreu et en français qui est gravée de part et d'autre de la sculpture. C'était la première fois que je compilais les noms des différentes victimes qui figuraient dans différentes publications, monuments aux morts et autres. Aujourd'hui, à ce moment précis de ma recherche à ce sujet, je sais qu'il y a au moins 488 victimes. Et si je passe rapidement ce tableau, sur les 488, il y en a 223 déportés, dont 208 ont été déportés d'Europe et 15 déportés de Tunisie. Les autres sont morts en Tunisie, 265, dont 135 sont morts sous les bombardements, 32 parmi eux dans les
parmi les travailleurs obligatoires et 103 parmi la population civile. 11 sont morts de maladies mal soignées contractées dans les camps de travail obligatoires. 15 ont été tués, assassinés, abattus arbitrairement. 6 ont disparu principalement au travail obligatoire. 41 sont morts au champ d'honneur. 7 morts accidentellement. Et puis il y a encore 50 sur lesquels je travaille qui doivent être distribués sur les différentes catégories. Ce chiffre doit arriver à zéro en fin de travail de recherche. Ce chiffre n'est pas exhaustif et continue à grandir sans arrêt au fur et à mesure du progrès de ma recherche. Ce premier travail m'a permis d'avoir et de communiquer un chiffre. En 2006, j'avais enregistré au total victimes en Tunisie et déportées pour toute la période de la guerre. Près de 400 victimes. C'était en fait la première approximation basée sur un début de recherche. Ce même chiffre, mon chiffre, a été repris depuis par bien d'autres, mais c'était le premier à avoir été signalé sur une base d'une recherche scientifique. Donc, 2006, 400 personnes qui sont devenues 488 aujourd'hui et en fin de recherche, nous le verrons plus tard. À cette étape du travail du sujet, du traitement du sujet, j'ai pris connaissance de certaines problématiques évidentes pour la création de cette liste. Il est impératif de créer une liste bilingue en français et en hébreu avec quelques touches ponctuelles en judéo-arabe. Ceci d'une part pour apporter le résultat de cette recherche à la connaissance des hébraïsants et des francophones de la communauté et d'autre part pour créer un lien clair et sans équivoque entre les différentes orthographes des noms et des prénoms des victimes. Après avoir décidé que cette liste sera au moins bilingue et parfois même trilingue, il reste à éclaircir deux points. Qui ? Quelle victime inclure dans la liste ? Et quand, quelle période dans le temps sera traitée dans cette recherche ? Faut-il mélanger les noms des victimes juives mortes en Tunisie et celles d'origine tunisienne raflées, emprisonnées et déportées dans les camps en Europe? Ce dernier point a demandé une réflexion particulière, car le but de la création de cette liste mémoriale est, comme je l'ai signalé précédemment, de créer une liste qui servira de référence aux familles et aux descendants des défunts. Ainsi, les Français d'origine tunisienne déportés de France qui figure dans le mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld figureront aussi avec plus de détails dans notre liste. Cette liste étant la liste des victimes juives d'origine tunisienne, nous ne pouvons pas faire de différence à ce niveau et créer deux listes distinctes eu égard aux familles, car il y avait plusieurs familles en Tunisie qui pleuraient la mort d'un être cher, les unes suite à un décès dû à un bombardement en Tunisie occupée et les autres suite à l'annonce du décès d'un proche en déportation en Europe. Ainsi, cette liste sera celle de toutes les victimes juives d'origine tunisienne et de parents tunisiens, toutes nationalités confondues. En ce qui concerne le camp, a priori, on aurait tendance à penser aux victimes décédées pendant les 6 mois de l'occupation de la Tunisie par les Allemands. Mais au fur et à mesure des progrès de la recherche, j'ai constaté qu'il y avait des Juifs originaires de Tunisie qui sont morts pendant et suite à la Seconde Guerre mondiale, avant et après les 6 mois de l'occupation allemande. Il s'agit de gens qui sont morts suite aux sévices du régime de Vichy en Tunisie et suite aux maladies contractées pendant l'occupation ou mal soignées par manque de moyens médicaux pendant la guerre. Ainsi, nous trouverons dans cette liste les noms des personnes was poorly managed for lack of medical resources and supplies. So we'll have in this list the names of people who died between 1940 and 1945. Il fallait exploiter les sources. After having decided about the three parameters, we had to tap a number of sources. And these sources are very numerous and scattered.
qui se réfère à la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, qui rappelle les noms de victimes et les circonstances dans lesquelles ils ont péri. Il y a des brochures et autres revues communautaires dans lesquelles on rappelle le souvenir de certaines victimes. Il y a les monuments aux morts dans les cimetières, les plaques commémoratives dans les synagogues, ainsi que les veilleuses individuelles, les pandilles qui tapissent les murs des lieux de prière. Mais il y a aussi les sources sur Internet. Il y a les anecdotes familiales et le rapport de noms de victimes publiés sur Internet. Il y a la base de données de Yad Vashem sur Internet avec les feuilles de témoignages sur les victimes, très importantes. Il y a bien entendu le mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld. Mais il faut aussi signaler que les données de Yad Vashem et de Serge Klarsfeld ont aussi été exploitées par des individus, des chercheurs et des familles pour créer des listes qui ont été aussi souvent diffusées sur Internet. Ces listes étaient toujours partielles. Elles n'étaient pas des sources par elles-mêmes, mais elles contenaient parfois des suppléments d'informations à vérifier. Et puis enfin, il y a ma recherche, la recherche auprès d'individus. Mes rencontres, très souvent dues au hasard, étaient suivies d'interviews improvisées qui me permettaient d'enregistrer un nouveau nom ou de confirmer un nom déjà existant dans ma liste, avec souvent la saisie de détails supplémentaires. D'une part, aucune de ces listes n'était contemporaine aux événements qui ont vu la mort de ces pauvres gens. Elles ont toutes été préparées plusieurs années après la guerre, et la plus ancienne est celle de 1946 de Gaston Guez, qui a publié une cinquantaine de noms de victimes qui furent repris par de nombreuses organisations et individus. D'autre part, comme je viens de le souligner, aucune de ces sources ne comprend la totalité des données et des noms des victimes à la fois. Aussi, cela m'incita à entreprendre ce travail de compilation, d'accumulation, de mémoire et de sauvegarde d'une page du patrimoine des communautés juives de Tunisie. À cette étape de ma recherche commence un travail de tri des informations accumulées. Ces sources sont le plus souvent en français et en hébreu. Nous trouvons une exception dans le livre de Gaston Guez, Nos martyrs sous la botte allemande, où les ex-travailleurs juifs de Tunisie racontent leur souffrance, qui est écrit en français. Sur la cinquantaine de noms de victimes qu'il a publiées, il y en a 23 qui sont en français, avec une annotation souvent très succincte et parfois complémentaire en judéo-arabe. Après avoir saisi toutes les données qui étaient en ma possession, qui étaient issues de différentes sources et qui étaient écrites dans différentes langues, j'ai constaté qu'il y avait de très nombreux dédoublements de noms qui figuraient dans différentes sources à la fois, quand en fait, très souvent, les uns recopiaient les noms de chez les autres, et ma tâche était d'éliminer les copies multiples et identiques du même nom, de garder celui qui, a priori, paraissait être le premier de la série, en gardant toute autre information qui aurait été ajoutée par les sources seconde et troisième. Cela n'était pas facile, car il était important de n'effacer que les noms qui étaient certainement doubles ou triples. Et il était aussi très important de ne négliger aucune bribe d'information qui pourrait créer la différence chez ces victimes qui, a priori, portaient les mêmes noms et prénoms. A fragment of information that created different amongst the victims, which appeared to be bearing the same name. Il fallait aussi détecter les anomalies. Ces cas ont été sujets à une analyse plus approfondie pour s'assurer le plus certainement possible de la véracité de l'information. Quant au nom de la victime, à sa ville d'origine, à sa date de naissance, à son âge, à sa situation familiale, à l'exactitude de la source et celle de la saisie des données originales.
exact source ainsi, and the source fully j'ai créé of the une fiche personnelle standard dans laquelle s'accumule la totalité des informations que j'ai sur la victime. Comme vous pouvez voir en bleu, c'est nom, prénom, parents, même le nom de famille d'origine de la mère, le sexe, nom de date de naissance, lieu de naissance, âge, domicile fixe, lieu de résidence pendant la guerre, profession, situation familiale. Et puis, cause du décès. Quand la cause du décès était déportation, il y a le détail du lieu de déportation finale, du convoi, de la date, d'où à où, etc. Lieu du décès, bien entendu, date du décès. Et pas moins important, la source. Chaque fiche peut avoir plus d'une source. Il y a eu, il y a certaines victimes sur lesquelles j'ai 7 et 8 sources différentes. Souvent, ces informations se chevauchent, mais il y a aussi de légères différences. Et des fois, lorsqu'il y avait des différences même importantes, je pris garde de garder chaque différence pour un complément de recherche de manière à pouvoir fixer ultérieurement quelle est la version exacte qui sera retenue. Parmi les noms de famille, il fallait essayer de détecter ce qui, a priori, selon mes recherches onomastiques sur les noms des familles des Juifs de Tunisie, apparaîtrait comme n'étant pas des noms de Tunisiens. Ceci était parfois le résultat d'erreurs de transcription, de traduction ou d'autres erreurs de lecture d'un manuscrit ou d'un document peu lisible. Voici l'exemple d'une victime qui n'a jamais existé. Le nom de la victime, c'est Joseph Shelley. En hébreu, Yosef Shelley. En judéo-arabe, Yosef El Shelley. Yosef El Shelley. Écrit, judéo-arabe est écrit en lettres hébraïques. On a ajouté le L qui veut dire le, c'est-à-dire Joseph le Shelley. C'est quelque chose de fréquent. On a le El Gez, on a le El Hadad, etc. Et il y a un dédoublement de la lettre L dans Shelley pour le prononcer un peu plus accentué. Shelley. Donc, L est écrit Aleph Lamed, L, comme vous le voyez. Mais en judéo-arabe, on utilise souvent la contraction de deux lettres de l'alphabet hébraïque en une seule. Et le Aleph plus Lamed devient ce que vous voyez en blanc, cette lettre qui est un Aleph tronqué de son pied gauche et un Lamed. Ainsi, L, qui se prononce donc L, c'est ainsi que le défunt Joseph Shelley, 19 ans, touché d'une grenade, se trouva dédoublé sur la liste parce que Gaston Guèze avait écrit son nom en judéo-arabe, Yosef El Shelley. Ce nom fut traduit par quelqu'un qui lit l'hébreu, mais pas le judéo-arabe, en Ashlali. Est transcrit en français Ashlali au lieu de El Shelley, et nous voilà avec une victime, Joseph Ashlali, qui n'a jamais existé. Nous avions une victime du nom de Joseph Shelley, et nous avons donc Ashlali qui n'a jamais existé, mais qui figure dans de nombreuses listes en français et en hébreu sur Internet. Il y a aussi des noms de victimes qui sont dédoublés mais qui ne le paraissent pas car ils ne sont pas notés avec le même prénom. Certaines victimes avaient plus d'un prénom. Ainsi, dans certaines sources, elles ont un prénom, alors que dans d'autres, elles apparaissent sous un deuxième prénom et même sous les deux prénoms à la fois. Nous avons comme exemple je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Je suis obligé de réduire et j'ai encore beaucoup de matière à vous montrer. Il y a aussi des victimes qui avaient deux prénoms, un en français et un autre en hébreu et parfois même en judéo-arabe. Ainsi, en comparant les noms des différentes listes, il y avait parfois des victimes qui portaient le même nom avec des prénoms différents qui étaient en fait la même personne. Par exemple, Albert
en français, qui va figurer sur la liste en hébreu Abraham, Sauveur en français, qui va figurer dans la liste en hébreu Yehoshua, c'est le Sauveur, Yeshua, the Savior, et en judéo arabe, Shoah, and, Shoah would simplement. Be the equivalent in Jewish Arabic, and yet this is exactly the same first name. Voici un aperçu des prénoms juifs tunisiens, je vais vous les montrer tout de suite. Parmi les prénoms masculins, vous pouvez voir Albert, Abraham, qui va devenir Breitou en judéo-arabe, Shlomo, Salomon, qui va devenir Moumou en judéo-arabe, Isaac, Yitzhak, qui va devenir Chagou ou Gagou en judéo-arabe, Moïse, Moshe, qui va devenir Bishi ou Mishi en judéo-arabe, Joseph, qui devient Chouchou en judéo-arabe, et Jacob, qui devient Kiki. Alors, vous pouvez avoir des noms comme ça qui figurent dans différentes langues, et dans chaque langue, vous allez avoir une autre personne, mais en fait, il s'agit toujours de la même victime, et il ne s'agit pas de la compter trois ou quatre fois. J'ai 5 minutes et je n'ai plus le temps. Je passe rapidement les noms et prénoms de femmes. Vous pouvez voir Rachel, qui va être Bahla. Vous avez Rivka, Rebecca, qui peut être Rebecca. Et ainsi de suite. Which becomes Bala, and you can see la fiche que nous avons vue tout à l'heure, on va la passer rapidement. C'est à ce moment, en fait, que j'ai saisi l'envergure des informations qui étaient en ma possession et que je pris l'initiative de publier ce mémorial des victimes juives originaires de Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, il fallait adopter un format de manière à ce que les victimes soient présentées uniformément, vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis, là, vous avez un exemple, as we saw previously, so it was un exemple d'une fiche pleine avec la photo. Il s'agit d'un soldat dans l'armée française qui figure des fois Clément Bougenard, des fois Sion Bougenard, et en fait c'est Sion Clément Bougenard qui est d'origine de Nabeul et qui a été déporté à Majdanek en Pologne. Il était français, il devait rentrer en Tunisie. Le bateau qui devait le ramener de Marseille a été torpillé, il a été explosé pas sur ordre de De Gaulle. Et en attente d'un transport sur Tunis, il a été, dénoncé et donc il a été arrêté et a été déporté. La source, Bougenard Robert, son frère, qui habite à Lod en Israël. Bien, alors nous étions donc à 488, une évaluation vraiment, vraiment très, 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 approximative. Again, it's a rough estimate. Je pense qu'on arrivera facilement aux 600 personnes parce que j'ai encore énormément de données à vous montrer. Là, je vais vous montrer quelques images des cérémonies de commémoration dans les années 50 en Tunisie. Le cimetière du Borgel, in Tunisia, en 1953, on voit le grand rabbin David Ben Baron et maître Charles Haddad, qui était le président de la communauté, et d'autres personnalités. En 1956, à la synagogue de la rue de la Loire, commémoration des ex-travailleurs juifs, grand rabbin Meïs Cohen, qui est assis avec la barbe blanche et qui a remplacé le grand rabbin David Ben Baron et maître Charles Cohen, qui fait une allocution. Et puis, la pose d'une gerbe here, par le président de l'association des anciens combattants, Monsieur Felous. En voyant ce profil, je croyais que c'était maître Charles Haddad et je m'étais trompé. Je vais vous présenter quelques victimes. Okay, la plus jeune, un bébé de moins d'un an, Esther Perez. Ses parents habitaient Ben Gardan. C'était en novembre 1942, les Allemands arrivaient de Tripolitaine vers la Tunisie. Ils ont fui Ben Gardan, ils étaient dans un camion en direction de Gabès. Elle est morte étouffée dans le camion qui transportait les Juifs qui fuyaient de leur ville Ben Gardan. Quand ils se rendirent compte que la petite est morte étouffée, ils arrêtèrent le camion et enterrèrent la petite défunte sur le bas-côté de la route. Jusqu'à ce jour, l'emplacement de sa sépulture n'a jamais été retrouvé. Témoignage de sa sœur, Marcel Perez, qui habite en Israël, de 2009. Denise Naïm, décédée sous les bombardements à la Marsa. Témoignage de sa sœur, Dolly Tutu. Her
sister, Loli Twito, who's the deputy mayor of Vanves, who Madame gave us this Rose information. Tubiana, this is Rose Tubiana, born Elle est morte après Dana. Trois jours. She died after three Elle avait years. Survécu au bombardement, mais elle était sous les décombres. Après trois jours sous les décombres de la maison des Tubiana, suite au bombardement du 20 novembre 1942 à Béja. Ce jour-là, 11 membres de la famille Tubiana périssent sous les bombes. Cette photo, je la tiens de son fils, Marco Tubiana, qui est ici avec nous, et je le remercie. With us, gave us this picture, and I'd like to extend my thanks to him. We have another victim here, Albert Décédé Abraham d'un accident de camion allemand, Moïse Béraud, sous les bombardements à Sousse, une plaque commémorative qui m'est arrivée par un ami, et je n'ai pas davantage d'informations là-dessus. La jeune mariée qui était enceinte, Lila Miriam Messica, ils sont cinq victimes d'une même famille ce jour-là à Tunis. Fortuné Messouda, Berda, tout ça, c'est une récolte, c'est ce que j'ai réussi à collecter de différentes personnes, mais enfin, c'est vraiment un aperçu très succinct. Je n'ai pas de photo de Alfred Boublil qui a disparu, mais j'ai un témoignage écrit par André. Yves-André Bismuth, qui avait 9 ans à l'époque, et ce monsieur, le disparu, était employé par son père. Ses parents sont restés des années sans vouloir porter le deuil de leur fils. Débat, ce n'est pas un nom tunisien. Il s'est avéré que son arrière-grand-père était venu à Tunis d'Alep, en Syrie. La famille Piperno a perdu 10 personnes, 10 membres de sa famille, 7 à la Marsa, David et sa famille Liliane, 5 enfants, Allegrine, Marguerite, Ellie, Emilienne, et puis 3 autres à Béja. Et puis le dernier, Isaac, Jacques Bérébi, tombé en champ d'honneur pour la France, enterré en France. Son frère qui est ici sur la photo était officier de Tzal, il est officier de Tzal, et pendant des années il a cherché le cimetière dans lequel son frère était. In Sahar, and he looked for years for the cemetery with his brother's burial ground. And jusqu'ici, I would like to j'ai été très technique dans la présentation de mon sujet. Il y a des noms, des prénoms, des familles, parfois même des photos. Mais en fait, ces victimes étaient des gens qui ont laissé des proches qui les pleurent encore aujourd'hui. Il m'est arrivé de penser à